Bonjour, donc rapide tuto vous montrant comment créer une liste de diffusion via votre adresse Nantes Terre Atlantique. Ce que je vais vous montrer, ça doit fonctionner de la même façon pour vos adresses Gmail perso. Alors, liste de diffusion, c'est d'abord se connecter sur Nantes Terre Atlantique, là, se connecter par exemple dans votre mail, et puis après, aller voir vos contacts, puis dans vos contacts, cliquez sur Créer un contact, créer plusieurs contacts. Et dans cette fenêtre-là, vous allez pouvoir taper les adresses mail qui ont à voir avec Nantes Terre Atlantique, auquel cas vous tapez Nantes Terre Atlantique, ou alors qui ne sont pas sur Nantes Terre Atlantique. Donc là, j'en ajoute une. Je vais en ajouter une autre. Tiens, @educagri.fr, toc, et puis vous faites vos courses comme ça. Vous invitez qui vous voulez. Alors j'ai pas trouvé, il va pas les chercher dans l'annuaire, donc faut, à première vue, faut les taper. Après, l'autre truc important, c'est d'ajouter un libellé. Donc là, le libellé, je vais faire test, liste de diffusion, toc. Donc je valide, j'appuie sur entrée. Donc là, j'ai un test de diffusion, deux adresses qui sont dedans, je clique sur Créer. J'ai ici test liste de diffusion et puis j'ai ici le contenu qui vient d'apparaître. Ah, bien, si je clique là-dessus, donc j'ai bien que liste de diffusion, j'ai bien que deux personnes. Alors maintenant, je vais vouloir l'utiliser, donc elle s'appelle test liste de diffusion, ça je peux fermer. Et puis si je viens ici, si je crée un nouveau message, pardon, bah d'ailleurs tiens, je tape test ou liste, enfin il le retrouve, et donc en ayant cherché cette liste, bah, il m'affiche, toc, les adresses que j'avais mises dedans, puis après c'est du classique, l'objet, et puis donc là je vais mettre essai, et puis là je vais mettre essai, et hop, je clique sur envoyer, et je viens de spammer ma boîte mail d'un message qui ne sert à rien, un de plus. Bien, donc ça c'était la première vidéo. Alors je vais retourner quand même dans mes contacts parce que vous allez bien faire des essais, puis après il faudra les supprimer. Donc si je clique ici, alors si je veux revenir dessus pour ajouter des contacts, eh ben comment je fais? Hein, je clique là et je ferai quoi? Pour ajouter des contacts. Toc, densité modifiée, non. Eh bien, rajouter des contacts, ça serait créer un contact, non, ça va m'énerver. Créer plusieurs contacts, ok. Bon, ben là, je peux rajouter, je sais pas, tiens, je vais rajouter Yveline, yveline.bero@educagri.fr. Hop, je clique sur c'est dans la même liste. Je clique sur créer. Si je clique dessus, ok, elle est bien intégrée à cette liste. Donc ça, c'est bon. Je peux rajouter des adresses email dans ma liste de diffusion créée. Donc en passant par ce bouton créer plusieurs contacts et puis vérifier que c'est bien la liste qui apparaît là. Si je veux supprimer ma liste, donc c'est ici. Alors j'ai ce petit message qui me dit que supprimer le libellé, mais conserver tous les contacts. Donc ça, c'est l'option que je vais prendre. Et puis si je clique sur supprimer, voilà. Donc je n'ai plus de liste. Et puis donc, mais j'ai toujours mes contacts. Et bien, donc ça, je pense que ça répond à la question que certains formateurs ont posé à Yoline. Fin de cette première vidéo.